L'année dernière, le plus grand concours de cuisine de France ouvrait ses portes. Top Chef. Cette année encore, plusieurs milliers de jeunes professionnels se sont présentés au grand casting national avec une seule idée en tête. Devenir la prochaine étoile de la cuisine française. Dès l'instant où j'ai vu Top Chef, je me suis dit cette émission, elle est pour moi. J'aimerais y participer, je vais me donner les moyens d'y participer. Et voilà, aujourd'hui, je suis là et je suis fier d'être là. Je suis prête à tout donner. Ça, c'est vraiment le rêve de ma vie. 14 d'entre eux ont été retenus pour participer au concours Top Chef 2011. Pour les départager, un jury d'exception. Thierry Marx. Pour Top Chef 2011, on ne se contentera pas d'approximatifs. Christian Constant. On a la meilleure cuisine du monde. J'attends que les candidats nous le prouvent. Jean-François Piège. Et enfin, Guylaine Arabian. Quand on rentre en cuisine, on doit tout oublier. On ne peut penser qu'à ça et on ne peut faire que ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Pour être à la hauteur des attentes des chefs, ils vont revisiter les classiques de la cuisine française. En créant des pâtes originales, en déclinant un simple œuf, ou en revisitant un plat traditionnel. La millefeuille de choucroute, c'est du très haut niveau. Ils devront convaincre des jurés d'exception. Ce sont mes fameux coin-coin que je retrouve en broche. Je pense qu'ils vont nous faire plaisir. C'est mon anniversaire, je voudrais que vous me préparez un goûter exceptionnel. Trop bon ! C'est délicieux. Cette année encore, ces 14 espoirs de la cuisine sont prêts à relever tous les défis. Là, il y a de l'engagement. Là. Un mariage, c'est un jour unique. Le chef préféré des Français, Cyril Lignac, sera à leur côté afin de leur transmettre son expérience. On n'a pas le droit de se manquer. La cuisine, c'est pas un métier. C'est une passion, c'est une vocation, c'est une vie. C'est la vie, voilà. J'essaye de le faire le mieux possible. Top Chef 2011. Présenté par Agathe Le Caron et Stéphane Rottenberg. Bientôt sur M6.